Bienvenue à tous au coin de l'héritage de Gédédia. Tous ces objets sont un aperçu de la vie d'un homme exceptionnel. Puisse-t-il vous inspirer comme il l'a fait pour moi? Sur ce, j'allais lire un passage du journal de Gédédia, mais comme ce journal a disparu, je sens que je vais devoir lire le passage d'un autre journal. C'est mon journal. Elle ne le fera pas, elle bluffe. Elle ne le fera pas. Cher journal. Oh, si elle va le faire. Je craque sur un garçon qui est si mignon. Je suppose qu'on peut dire que j'ai trouvé l'oiseau rare dans la cabane koala, ma parole. Il faut reconnaître que c'est une tournure de phrase très adroite. Des commentaires du public? Quelqu'un voudrait-il m'avouer quelque chose? Ça va aller, sois cool. Une chance que je sois assez futée pour ne pas avoir de journal intime. Non, pas mon livre de pensées personnelles et de sentiments profonds. Ensuite, je vais lire les paroles d'une chanson intitulée « Sensible en secret ». Un cœur tendre et fragile sous une solide cuirasse. Sensible en secret, mais pff, je n'y ferai jamais face. Arrête, s'il te plaît. Voilà, on a lu le journal de Gédédia, mais on a trouvé quelque chose que tu vas détester savoir. Vous êtes sérieuse? C'est pour ça que vous le cachez, les filles? Je sais que Gédédia n'était pas parfait. Alors dites-moi juste ce que c'est, je promets de ne pas faire de vagues. Bon, Gédédia a quitté le camp Kikiwaka et il est allé construire le camp champion. Je vois. Une seconde, s'il vous plaît. Je reviens. Gédédia, comment as-tu pu? Tu as quitté l'endroit que j'aime le plus pour créer celui que je déteste le plus! Pourquoi? On devrait lui dire que le micro est ouvert. Elle a assez souffert pour la journée.